Bonjour à tous, c'est Rooster, on se retrouve pour le troisième épisode de notre série sur Evoland, le jeu où vous allez déverrouiller des parties de gameplay dans le jeu classique de RPG action entre les Zelda ou à la Final Fantasy, parce qu'il y a les deux en même temps. Dernier épisode, on a fait les mines de la Noria, qui n'a absolument rien à voir avec les mines de la M-Oria, et je me suis rendu compte après coup que le son du jeu était beaucoup trop fort. Donc, j'ai à peu près réglé ça, je l'espère, ça n'a plus posé de problème. Par contre, je peux pas refaire l'autre ça. Tant pis, ça va rester comme ça. J'espère que vous aurez à peu près compris ce que j'ai dit, que la musique était pas trop forte. Parce que j'ai regardé juste à la fin, en fait. Mais bon, ça m'apprendra à ne pas faire de test. Tant pis. Ouh, un village. C'est sûrement le village de la meuf... Kaeris. Soigne-moi, ma belle. Et on a su déverrouiller l'épée de Cloud de Final Fantasy VII, une énorme épée qui pèse très lourd. J'espère que vous avez vu la vidéo de Man at Arms. C'est un compte où il recrée des armes diverses de films et jeux vidéo et séries. Ouh, effectivement, ça fait très Final Fantasy VII, ça. J'espère que tout le monde a vu, c'est content qu'une... Parce qu'en fait, il y a que, si, il me semble, qu'il y a que les personnages qui sont vraiment calculés. Tout le reste, c'est des images fixes. Notre village était florissant, regardez maintenant. L'arbre de mana protégeait tout le pays, mais il semble que quelque chose soit revenu dans la citadelle des ombres. L'arbre de mana est lentement corrompu, tout pourrait disparaître et le mal ne s'arrêtera pas là. Nous devons faire quelque chose. Allons voir dans les maisons. Bonjour. Voilà. Ils ont même poussé le vice au fond, quoi. J'ai entendu des rumeurs inquiétantes. Les gens disent que le bosquet sacré était corrompu. C'était un endroit merveilleux. Si c'est vrai, je crains qu'il n'y ait plus d'espoir. Ce serait terrifiant. Puis-je rentrer dans une maison, s'il vous plaît? J'aimerais bien m'entretenir avec quelqu'un. Par contre, les écrans de chargement, ça pue. Ah là là, c'est n'importe quoi. Chaque joueur commence avec 5 cartes, ouais. Tiens, essayons ça. Vaut mieux toujours commencer avec des cartes faibles, il me semble. Donc là, je le prends car sur la face gauche qui lui était adjacente, j'avais 3. Lui, il est fort, il a 6-1, mais il n'est plus très nocif maintenant. Tiens, prends ça. Essaye de battre le 8, mon gros. Oh non! Je vais me faire baiser. Oh, j'ai même pas pensé, j'aurais pu faire exactement la même chose. Là, je vais pouvoir reprendre qu'une carte. Vaut mieux sécuriser qu'on puisse pas me prendre mon verre, parce que le 8, c'est clairement infaisable. Qu'il y ait un 8. Et non, il ne me prend rien. Pouf, c'était tendu. Oui, tu as de la chance. Ben non, c'est juste que je suis un pro, mon gars. Ah ouais. T'as de la chance que je sois plein aux os. Ma gueule. Continuons à progresser dans ce village magnifique. Les ruines de Sarund...
Sarudna, Conarès contiennent de nombreux trésors. Mais tu as l'air sympa, je te fais un prix sur les soins. Ah oui, en effet, c'est un sacré prix, c'était gratuit. Mais il me semble qu'il y a une zone de ce magnifique village tout dégueulasse dans le désert que je n'ai pas exploré. Au fait, Clink, tu devrais ranger ton épée, ça fait un peu mauvais genre de se balader avec l'épée sortie dans un village d'honnêtes marchands. Sauf celle qui m'a vendu l'épée en argent de 1000 pièces. Ce qui n'est pas très honnête, il faut l'admettre. Ah, ouh, un vaisseau, ça me rappelle le Haut-Vent de Final Fantasy VII. Mon oncle, est-ce qu'il s'appelle Cid? Est-ce que tout va bien? Oh, il s'appelle Cid, comme c'est étonnant! Il s'appelle toujours Cid dans Final Fantasy, le mec qui fabrique des trucs de ouf. Mon oncle, nous avons le pouvoir du cristal ainsi que l'épée de Cloud. Ça devrait suffire à vaincre le mal qui se cache dans la citadelle des ombres. Oh, j'ai aussi trouvé Clink pour mener l'épée, mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais il nous faut un troisième homme. Et un vaisseau. Passez vite, vous aurez besoin de l'amulette de Gorn pour entrer dans la citadelle. Évidemment, sinon ce sera trop facile. Elle a été séparée en deux parties. La première se trouve dans le bosquet sacré, au sud d'Aogai. J'y suis allé la semaine dernière et la falaise près de l'entrée s'était écroulée. Vous aurez besoin du monde pour libérer le passage. Vous devriez parler à Garen, le joueur de cartes sur la place du marché. Il était officier dans l'armée. Il sait peut-être retrouver des bons. Je l'ai parlé, il a dit qu'il se faisait chier. Bon, on va arrêter de faire tous les dialogues parce que sinon on n'est pas rendu. Mais oui, va te balader tout seul, tu sais même pas te battre. Chargement. Floup, floup, floup. Ah ouais. Et soit longtemps le Kibio Gay, aussi loin que ma mémoire. La cité des hommes a toujours été abandonnée. Le mermal, il grandit à nouveau comme dans les anciennes légendes. It's amazing. Ça fait austère quand même, hein. Des maisons en tôle, enfin avec des bords en acier. Ça peut faire sympa dans Minecraft avec un texture pack. Non, je veux pas jouer aux cartes, je veux des bombes mon gars. Eh hey, le show, on m'a dit de te parler. J'ai pris ma retraite de l'armée de monsieur il y a trop longtemps. Tu devrais parler à l'infirmière au nord, elle sait tout ce qu'il y a à voir, à savoir. D'accord, je vais aller parler à l'infirmière qui va me dire d'aller parler à machin truc bidule qui se trouve tout à l'autre bout de la ville alors que j'y suis déjà allé trois fois. Il va y avoir encore un petit succès en bas, de passer son temps à... Il y a une dame près du puits, c'est pas elle? Oh non, c'est... Oh, c'est effectivement la meuf qui était tout à l'autre bout du village, je dois encore aller la voir. Ouais, 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 pas doute, c'est bien RPG. Ah là là. Comment allonger la durée de vie de votre jeu? C'est simple, rajoutez des quêtes à la con, vous devez aller parler à des personnages qui sont tout à l'autre bout de la ville, mais vous devez faire 30 fois le tour, parce que vous pouvez pas y aller directement. Mettre une ruelle entre deux rues, entre les deux endroits, ce serait trop facile. Des bombes, tu dis? Oui, j'en ai dans ma cave. Elles sont là depuis la guerre. Je suis sûr qu'elles fonctionnent encore très bien. Ah, l'autre sud du village. Tu as des bombes, mais tu ne peux pas tuer un dragon. Ok. Why not? Mais j'avais des droits sur le sol, des gros cratères. Oui, oui, j'ai même dit à ce gamin de rentrer au village. Je vois toujours plus près des cratères. Allez, ça va, va.
Bon, bah, je vais lui parler, hein, parce que de toute façon, faut bien lui parler un machin truc, parce qu'ils ont toujours que le quart du quart des informations requises. Alors, ça doit faire à peu près 5 minutes qu'on est en train qu'on est dans le village en train de parler aux gens. Je sais jamais la bonne personne, évidemment. Oui, je sais. Des bombes, oui, bien sûr. Il faut que t'ailles parler à machin truc bidule. C'est lui qui les a. Oh oui. Clink. Cherchez un gros sort. T'as trouvé des bombes? Ben oui. Bien sûr, détruire les bombes, c'est ce gamin. Les précautions, mais oui, bien sûr. Tu me connais, moi, la précaution. C'est toute ma vie. Ou pas? Ouh, du hard rock. Comment elle a pris, il a pris cher. C'est pas là. Aïe. C'est un gros mob, dis donc. C'est bien, elle peut geler les gens. C'est vraiment trop génial. Mais j'en ai rien à se tirer. Moi, je veux que tu me soignes. C'est moi qui tape, ok? Bon, d'accord. Tue la grosse tortue. Il est nul ton son. Sérieusement, faut 3 coups pour la buter celle-là. Il paraît qu'il y a un élément de gameplay qui nous permet de déverrouiller. Ça sert à quoi? Ne pas brûler les petits arbres, merci, t'as qu'à croire. Waouh, ça c'est pas mal. Bon. Évidemment, c'est déjà vu dans Oracle of Seasons. Ouais. Merde. J'ai même pas regardé où j'allais. Ah non, tu vas pas me pousser, toi. Je veux le coffre. Je le veux. Je l'aurai. Comme l'Amérique. Sérieux. Waouh, c'était trop fort. Fucking cunt. Bon, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un élément de gameplay, je pense. Vous avez trouvé toutes les étoiles? Ah non. Bon, à quoi ça sert? Je pense que oui, ça devait juste servir pour l'arc.
qui va me permettre de faire brûler le buisson. Mais pour ça, j'ai dû retourner dans le passé. C'est trop de la boule. Hein. Encore un arbre, est-ce que je vais devoir brûler? Mais d'abord, je dois allumer ce bras zéro là. Ensuite, je retourne dans le présent. Old but gold. Ils ont pas écouté Doc Brown, ceux-là. Faut pas modifier le passé, c'est mal. Car tu peux avoir des répercussions inattendues sur le temps de présent. Et te retrouver perdu dans le temps. Oui, j'ai trouvé toutes les étoiles. Je suis le champion du monde. Oh, sérieux? Ça va devenir chiant. Ensuite, une fois que je suis là-bas, bah, je suis baisé en fait. Est-ce qu'il faut que je pousse la statue? Mais comment je fais? Alors, bon, je tire là. Oh, intéressant. Mais je ne peux pas faire ça. Ah si, ici, si, si. Donc maintenant je coupe le petit buisson en bas, je tire dans le feu qui va couper l'arbuste. Ouais, ouais, ouais. Faut réfléchir et tout. Hein. Bon, voici là. Donc là, ça a coupé l'arbre. Je peux retourner dans le présent. Et comme je suis dans le présent, la plaque dimensionnelle ne sera pas levée mais baissée, je pourrai aller dans la caverne. Ouais.
C'est pas tranquille. Là, je ne les aurais que les pieds. Il devait repartir depuis le début de quand j'ai sauvegardé, c'est-à-dire avant que j'aie les bombes et l'arc et tout. Ça m'aurait rendu dingue. Mais bon, là ça va. Surtout que maintenant que je sais qu'on peut facilement buter les squelettes. Enfin, si je me fais pas avoir comme un bleu. Mais sérieux là? Mais putain! Ah là ils abusent. Je trouve pas ça très drôle. Parce qu'il y a zéro life. Je gagne que un quart de cœur. I am not amused. Laissez-moi tranquille. Mais sérieux. C'est mal branlé ce donjon là. Ou alors c'est juste moi qui suis nul. Je sais pas encore. J'ai pas fait mon choix. Mais c'est sûr, les mages, on peut pas les buter avec un arc. Sinon je pense que je mets des bombes de partout. C'est le one shot carrément. Parfait. Voilà. Dur, dur, hein. Première partie de l'amulette. Très bien. Il n'y a plus qu'à rentrer pour savoir où est la deuxième partie de l'amulette, car il me l'a pas dit. Je crois. Une carte, je suppose. Une étoile? Mais je crois que j'avais toutes les étoiles. J'ai eu le succès tout à l'heure qui disait que j'avais toutes les étoiles. What? Tant pis. Regardons. Non, il ne le dit pas. Bon bah. J'ai pas toutes les étoiles. Pour l'instant.
Par où faut que j'aille du coup? Peut-être par le présent tout simplement. Toi t'es mort, tu joues plus. Ah non. Pas par le présent. Donc c'est par en bas. Ou alors par le présent à partir de là. What? Pourquoi toute la forêt est cramée? C'est pas moi qui fais ça. Je te jure. Je ne peux pas passer parce qu'il y a l'arbre juste enfin, il est plus un arbuste. Peut-être que faut que je descende. Mais il y a un autre défi là. Je peux pas repartir comme ça. Oh, tant pis. C'est chiant que la vie en combat aléatoire et en dans le mode action RPG, c'est pas la même. Ce serait pratique. Attends, sa caractéristique de vie a augmenté de 2 points. De 5 points. Tout à l'heure j'avais 100 de vie. Mon oncle, où est la deuxième partie de l'amulette? Peux-tu me le dire s'il te plaît? Bien joué, vous avez la première partie de la minute. Vous devez maintenant aller aux ruines de Saurunak pour retrouver la deuxième moitié. Elles sont au nord-est d'Aogai. C'est magnifique. Au moins, j'ai pas encore 30 000 personnes à questionner pour savoir où faut que j'aille. Mais je pense qu'on ira aux ruines de Saurunak la prochaine fois, car on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Les bails, le mifa. Salut.